Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscurity, ton youtubeur Yu-Gi-Oh préféré. J'espère que ça va pour vous les potes, mais en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci les amis, on va parler d'un sujet très intéressant. Aujourd'hui on va s'attaquer donc aux différentes raretés dans Yu-Gi-Oh. C'est parti! Comme vous le savez, dans Yu-Gi-Oh! Il existe plusieurs types de raretés, de la commune jusqu'à la ghost, en passant par la secret, etc. Mais comment les différencier et où se les procurer? C'est ce que nous allons voir justement aujourd'hui dans cette vidéo. Donc les amis, on va commencer par la rareté la plus basique, à savoir la commune. Alors, une commune, qu'est-ce que c'est les amis? C'est tout simplement une carte qui ne brille pas, qui est basique, un bout de carton tout simple, sans effet, sans rien. Les communes, on peut se les procurer absolument partout. N'importe où, dans tous les boosters, on a de la commune. Sauf les boosters un peu spéciaux, bataille des légendes et tout ça, où c'est vraiment des cartes en rareté. Sinon, dans tous les autres boosters, dans tous les decks, peu importe, il y aura de la commune. C'est les cartes qui coûtent le moins cher et qui sont bien sûr les plus simples à se procurer. Ensuite, la rareté Starfoil, les amis. Donc, qu'est-ce que c'est la rareté Starfoil? C'est une rareté qu'on ne retrouve actuellement que dans les packs étoiles, justement. Et en fait, c'est tout simplement une commune, mais avec des paillettes. Voilà, ils ont rajouté un petit effet pailleté dessus pour donner un petit look. C'est sympa. C'est pas très apprécié par la communauté parce que c'est compté comme commune, tout simplement. Et bon, après, c'est parce que les packs, également, il n'y a que 3 cartes dedans. Enfin, bref. Ensuite, les amis, on va passer à la deuxième rareté, donc à savoir la rare. Donc, qu'est-ce que c'est une rare, les amis? Donc, c'est une carte, comme tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, elle a son nom qui brille, voilà. C'est comme ça qu'on reconnaît une carte rare, c'est juste quand le nom brille, tout simplement. Alors, les rares, il y en a une garantie dans chaque booster. À chaque fois que vous achèterez un booster, il y aura une carte rare à l'intérieur. Ensuite, les amis, on va passer à la rareté juste au-dessus. La super rare, les amis. Alors, voici une super rare. Alors, comment on peut reconnaître une super rare? Cette fois-ci, ce n'est plus le nom qui brille, c'est le dessin. Le dessin brille et depuis très peu, ils ont également rajouté les étoiles et la tribu qui brillent. Avant, il n'y en avait pas. Ça ne brillait pas ici, ça restait comme le nom, sans brillance. Maintenant, on a également les étoiles et la tribu qui brille. Alors les amis, où se procurer des super rares? Alors les super rares, on peut les avoir également dans les boosters, tout comme les rares. On a aussi également une super rare minimum. Du coup, c'est aussi très simple à avoir. Ensuite, on va monter dans une étape un peu plus haute. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux ultra rares. Alors les amis, tout comme les super rares, elles ont leur image, leur étoile et leur attribut qui brille. Mais cette fois-ci, ils ont rajouté le nom qui brille également. Voilà. Sur les ultra rares, tout brille. Alors les ultra rares, les amis, on peut se les procurer également dans des boosters, mais cette fois-ci, il faudra un peu plus de chance parce que ce n'est pas garanti d'avoir des ultra rares dans les boosters. C'est vraiment aléatoire. On peut également les avoir dans les decks de démarrage, dans les decks de structure. Ils y fournissent des ultra rares à l'intérieur. Généralement, les ultra rares dans les decks, c'est souvent les meilleures cartes du deck. Et bien sûr, niveau prix, on commence à monter car une ultra rare, les amis, coûtera toujours plus cher qu'une rare, une commune ou une super rare. Maintenant, je vais vous montrer un autre type d'ultra rare qui est sorti dans la saga du dueliste. Et c'est une ancienne ultra rare également car vous voyez, il n'y a pas de brillance au niveau de l'attribut ténèbres et des étoiles. Mais donc, ce qui différencie cette ultra rare des autres, c'est parce qu'il y a des traits à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et ça rend vachement bien, c'est une rareté ultra rare qui n'est sortie que dans la saga du dueliste. Et franchement, c'est une rareté que j'ai beaucoup aimée. Je sais que je joue mon Mistral, le tourbillon, en ultra rare donc de Dusa. Je le trouve vraiment magnifique, c'est une rareté ultra rare que je surkiffe personnellement. Maintenant, tout en restant un peu dans les ultra rares, je vais vous présenter les gold cette fois-ci. Donc les gold, c'est une rareté qu'on pouvait retrouver donc à l'époque dans les packs gold premium. Bon, maintenant ils n'en font plus malheureusement, mais on peut également retrouver les gold dans les movie packs maintenant. Donc qu'est-ce qui différencie une gold d'une autre carte? Bah tout simplement, comme vous pouvez le voir, le tour, il est doré.
Les étoiles sont dorées, l'écriture est plus dorée. En fait, toute la carte est faite en sorte justement qu'on ait une impression d'or. Et franchement, c'est beau. C'est une rareté que je sais que pas beaucoup de joueurs n'apprécient. Moi, personnellement, je les aime bien. J'aime bien les gold, je trouve ça sympa. Mais malheureusement, comme je vous dis, c'est une rareté qu'on ne retrouve plus à part dans les movie packs. Donc peut-être que par la suite, Konami va en refaire. Je ne sais pas. Mais en tout cas, comme je vous dis, c'est une rareté que moi, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter un autre type de rareté également. Il s'agit de la Platinum Rare. Alors ça, les amis, c'est une rareté qu'on retrouvait à l'époque dans un deck, le deck Chevalier de la Table Ronde. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait. Et donc, tout le deck était fait en Platinum Rare, justement pour les Chevaliers Nobles. Ça n'a été édité qu'une seule fois, cette rareté. Parce que, à mon avis, c'est parce qu'elle a fait un gros flop. Beaucoup de joueurs n'ont pas aimé cette rareté. Moi, je la trouve sympa. Après, bon, qu'est-ce qui différencie cette carte d'une autre carte? Bah, comme vous pouvez le voir, elle est extrêmement sombre. C'est Platinum Rare, c'est une carte vraiment sombre, sombre, sombre. Sauf la tribu, qui reste bien mise en valeur. Ensuite, les amis, on va passer à une rareté qui, à mon avis, est beaucoup appréciée des joueurs. Je veux bien sûr parler de la Secret Rare, les amis. Donc, voici une Secret Rare. Une ancienne Secret Rare, parce qu'il n'y avait pas encore les étoiles et la tribu qui brillait. Comment reconnaître une Secret Rare des autres cartes? Tout simplement, comme vous pouvez le voir, les amis, il y a des paillettes partout sur la carte. Voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît une Secret Rare. Les paillettes, également le titre qui brille de beaucoup de couleurs différentes. C'est une carte qui tombe très très rarement, la rareté Secret Rare, dans les boosters normaux. Sont une rareté qui tombe très très peu souvent. Pour vous dire, il n'y a que deux secrets rares par display. Donc je vous laisse imaginer. C'est une rareté qui coûte également très cher. Mais bien sûr, comme vous pouvez le voir, c'est une rareté magnifique. Il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Les secrets rares sont toujours très 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 belles, les amis. J'ai également une nouvelle secret rare pour vous montrer. Pour vous dire, en parlant donc de la tribu et des étoiles qui brillent. Comme vous pouvez le voir là sur la Froline. Ça, c'est les secrets rares qu'on a depuis récemment. La preuve, c'est du Daza. Voilà à quoi ressemblent les Secret Rares maintenant, comparé au Morningstar d'avant. Tout en restant dans les Secret Rares également, les amis, je vais vous présenter les Platinum Secret Rares. Alors, wow, comme là vous vous dites, toi, ouais, ça brille beaucoup. Effectivement. Alors, les Platinum Secret Rares, les amis, c'est une rareté qui est sortie il y a de ça, un petit moment maintenant, parce que c'était que sorti dans les mégatines, mais les mégatines de l'époque, je crois que c'était ben, justement, comme vous pouvez le voir, avec le Odize. Les mégatines 2013-2014, peut-être, j'ai pas envie de dire d'erreur. Mais voilà, c'est une rareté qu'on retrouve plus maintenant, à présent, ils l'ont retirée. Bon, c'est dommage parce que, comme vous le voyez, franchement, elles sont magnifiques, elles sont hyper pétantes. C'est ça que j'adore, j'aime comme quand une carte est pétante comme ça donne vraiment envie de jouer avec. Ensuite, un autre style de secret, cette fois-ci, les amis, les Secret Gold. Voilà. Donc, comme tout à l'heure avec les gold, c'est une rareté qu'on retrouvait dans les packs gold, qu'on ne retrouve plus maintenant, sauf dans les movie packs. Et cette fois-ci, donc, c'est en secret. C'est comme tout à l'heure avec les gold, un teint vraiment fait pour être sans tourner autour du gold. Les bordures qui sont donc pailletées, de cadre autour. Très très belle carte. Une rareté, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les gold, qui ne plaît pas à beaucoup de joueurs, mais bon. Moi, je l'aime bien. Et maintenant, on va rentrer dans le moment nostalgique, les potes. Moment nostalgique, pourquoi? Parce que on va parler des Ultimates, les potes. Alors là, mais alors là, c'est une rareté que beaucoup, beaucoup de joueurs aiment, mais qui malheureusement n'existe plus chez nous, sauf dans les OTS, les packs de tournoi. Alors, avant, ces cartes, on pouvait les avoir dans des boosters, mais depuis maintenant un petit moment déjà, on ne peut plus les avoir. Pourquoi? Parce que c'est une rareté qui pèse. Enfin, la carte pèse plus lourd dans le booster que d'autres cartes en rareté. Du coup, il y a des malins qui s'amusaient donc à peser les boosters. Et donc, le booster le plus. Enfin, qui avait le plus de poids, ça veut dire qu'il y avait à l'intérieur une ultimate. Du coup, ils se les gardaient et les autres, ils les vendaient, etc. Du coup, ils ont arrêté de mettre des ultimates dans les boosters classiques et n'en font maintenant que très très peu dans les packs de tournoi pour éviter justement qu'il y ait ce genre d'arnaque sur internet. C'est vraiment dommage, moi je vous le dis parce que c'est une rareté que j'aime énormément, l'ultimate. Donc, qu'est-ce qui différencie une ultimate, les amis?
des autres cartes. Bon, je pense que vous l'avez déjà remarqué, c'est qu'en fait, il y a un effet de profondeur. Vous voyez? Il y a un effet 3D quand on touche, c'est comme si on s'enfonçait dedans. On sent les détails tout autour, vous voyez? C'est magnifique. C'est les Ultimates, j'adore. Ça, c'est une ancienne Ultimate. Juste après, je vous montre les nouvelles. Les Ultimates, quoi. C'est vraiment dommage qu'on ne peut plus les avoir dans les boosters. Seulement maintenant en OTS, en faisant des tournois. Et donc, la nouvelle Ultimate, les amis, voilà à quoi elle ressemble. Qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne? Bah, c'est qu'ils ont rajouté les bords du retour et le petit cadre en Ultimate. Alors ça, c'est un Magicien des Ténèbres, les amis, qui vient du deck de démarrage Yugi revient. C'était un deck de démarrage, donc il y avait la particularité à l'intérieur donc d'avoir une carte en Ultimate, ce que je trouve vraiment super stylé, parce que depuis, plus aucun deck n'a fait ça. C'est dommage, parce que bah, ça permettait justement des joueurs d'avoir une Ultimate, et ainsi rappeler des souvenirs, etc. Parce que cette rareté est vraiment une rareté magnifique, magnifique. Et enfin, pour finir, les amis, on tape sur la plus grosse rareté, vraiment la rareté la plus haute, qui est aussi malheureusement disparue. La Ghost, les amis. La rareté Ghost. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Ghost, les amis? Bon, rien qu'au nom, je pense que vous avez déjà idée. Plus en voyant la carte. Oui, c'est une carte en fait toute blanche, les amis. Quand vous la regardez, elle est toute blanche. On ne voit pas l'image. C'est juste en la déplaçant qu'il y a donc l'effet Ghost qui apparaît. Et on peut voir justement le monstre avec un sort, enfin une sorte d'effet 3D. On a l'impression que le monstre il sort de la carte. C'est vraiment magnifique. C'est juste sublime. C'est une rareté aussi qui a disparu, qu'on ne peut plus avoir, bah justement, comme les Ultimates. C'est également la même histoire. C'est une histoire à cause du poids que des joueurs pesaient et gardaient ainsi les meilleurs boosters. La rareté là, c'est vraiment une rareté, malheureusement, qu'on ne retrouvera plus, hein, mais c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Ils auraient pu faire comme les Ultimates, les mettre dans des OTS à la rigueur, mais bon, non, ils l'ont pas fait. C'est également une rareté qui coûte extrêmement cher, les amis. Les Ghosts, bah, selon leur rareté, peuvent monter à des prix de fou. Je sais qu'il y a des Ghosts qui coûtent plus de 100 euros en état neuf. Et franchement, c'est pour vous dire quoi, la rareté du produit. Voilà les amis, j'espère avoir été le plus clair possible sur les raretés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vais quand même rajouter quelques petits points par rapport aux raretés. C'est qu'en ECG, aucune de ces raretés n'a disparu. Ils ont toujours toutes les raretés, comme à l'ancienne, à retrouver donc dans les boosters. Je sais que bah, par exemple, il y a le Magicien Cybers récemment qui est sorti chez nous avec Cybernetic Horizon. Chez eux, ils peuvent l'avoir en Ghost. Eh ben nous non. Malheureusement. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire. Et également en ECG, ils ont des raretés très différentes aussi des nôtres. Ils ont des styles de Platinum Secret Rare avec un nom en rouge, enfin des trucs bien sombres comme ça fait grave plaisir. Mais chez nous, on n'a pas ça, malheureusement. Voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres commentaires ou d'autres précisions à me dire sur les raretés, dites-le moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Et dites-moi également quelle est votre rareté préférée. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Obscurity, prenez soin de vous les potes. Ciao les gens.